c'est de partout à travers le monde, à travers tout le pays d'Haïti. Nous comptons avec vous. Aujourd'hui, c'est mardi et 10 mai 2022. Pas oublier sous à peine connecté sur canal ça. Et bien, où arriver sous TV la carrière canal pour là. Et nous comptons pour toute nouvelle pour vous sur ça qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Dossier insécurité, dossier la police, dossier dit. Et bien, matin là, donc nous pour premier bulletin d'information pour vous sur et bien diverses opérations et tête chargée que la police menait qui baille avec un pile arrestation examen qui saisit. Et nous battons gros bravo pour la police là. Merci pour que ça faut que la police là continue à mettre de l'eau dans yeux bandit. Faut que la police là continue à fouquer bandit parce que nèg sa yo pense c'est eux même qui wa, c'est eux même qui fait ça ou vle dans pays ça parce que l'état a dormi. Et bien fois ça DGPNH qui c'est France LB lève pied et monsieur mette botte dans pied là pour marcher sur tête bandit. Nous parlons vite au détail. Et puis dans le département Nord, la police mène avec une opération qui baille à 7 bandits qui ont même eh bien, tombé en bas de la police. Nèg sa yo, c'est un véritable cauchemar pour moun nan Nord. Et bien, fois ça, la police mette de l'eau dans les yeux de famille moun sa yo. La police mette dormi dans les yeux de bandits sa yo. A jamais, yo pas besoin de faire des autres sa yo encore. Et puis dans Matissan, bagay la grave, la police annonce que yo pral prendre des mesures pour comment yo kap fini avec question insécurité dans zone Matissan. Yon côté nous connaît qui baye ouverture avec environ 7 départements et qui bloqué par ISO avec divers lots de gang. Et la police là bay population et espoir que yo pral faire et des opérations pour même débarrer Matissan pour tout le monde qui accès passé. Notre seul bagage a dégénéré, vite l'homme continue à faire des ordres. La police, eh bien, à maman négant, c'est pour comment il a porté bourré là, pour mettre de l'eau dans les yeux, vite l'homme. En tout cas, n'attend qui ça, la police pour le faire. Et dans quoi d'émission même, et chien méchant, toujours continuer à panthéoriser, malgré la police te porté bourré dans la zone ça, te baille avec un pile arrestation, avec divers bandits tout qui tombaient, et dans la plaine tout, 400 maozo continue à faire affaire, mais PNH là, yo levé pio, France LB confirmé que pral gen bagay nan même bandi sa ou. Nous parlons vite au tout détail en dans vidéo ça et bien diverses opérations qui menaient dans plusieurs départements dans pays a divers bandits tout qui ont même tombé. Nous parlons vite entendre déclaration et bien divers collaborateurs qui dans quatre coins pays a cap ban nous détails sur ça qui a passé dans pays d'Haïti et puis précisément tout France LB qui lui même pral ban nous tout bilan la police menait pour 6 mois depuis le directeur général la police d'Haïti. Mesdames et messieurs, bonne écoute tout le monde, enjoy, abonnez, like, partagez, commentez, n'a tourné. N'a toujours été à quelques questions bilan la police a bail nous pour aller dans département nord pays. La police dans le département nord pays a présenté bail la presse bilan opération plusieurs unités dans PNH mené week-end passé à dans zone marécage à localité Vaudreuil section Mont Rouge dans commune en pleine du Nord. Cet individu jeune dans Mont dans Boucantay coup de bail ak force l'audio parmi victimes ça aussi on celle qui identifié sous nom Migdal Etienne Zetren 23 l'année qui sorti dans commune Tabar département l'Ouest Pays avec deux arrestations c'est Rodson Joseph 21 l'année avec Belizier Richardson 21 l'année plusieurs armes saisies n'a pas appelé la police dans département Nord Pays té posé la patte sur individu qui sorti dans base 400 maozo. Après l'ital témoigné dans un service jeune dans ville au Cap, c'est porte-parole PNH Nord inspecteur Awol Jean qui confirme information si là yo dans une conférence pour la presse cité Bayer lundi en côté déclaration. Jodia, section départementale Nord, la police avait partagé avec la presse bilan opération ça que plusieurs unités conjointes de la police Nord menaient dans zone marécage qui sont banlieue dans Mont Rouge. Qui sont section communale de Plaine du Nord, opération menée hier après-midi aux environs de 5 heures. Et bien, au cours de l'opération, ça, il y a 7 suspects qui sont mortellement blessés. Et parmi les suspects, il y a un seul qui est identifié. Et c'est M. Migdal Etienne Zetren, qui a 23 ans. Donc, selon le cadre électoral, ça a été joint en possession de lui. Je suis arrêté dans une zone de tabac dans l'Ouest. Et ensuite, la police fait deux arrestations. Et la police a arrêté Joseph Watson, qui a 21 ans, et puis Belizer Richardson, qui a 21 ans. En possession de suspects qui maîtrisaient, la police a confisqué 4 armes. C'est un pistolet Spitewesson 9 mm
de numéro illisible et yon revolver 38 de marque numéro illisible et puis deux armes créoles ça que nous avons gardé en plus de chargeurs et plusieurs cartouches, donc deux cartouches 12, cartouches 9 mm et cartouches 38 que la police saisit en possession. Donc, on dit que l'opération ça a été faite dans le but pour déloger un groupe de bandits et dans une zone marécage qui est en tête, Boulé ainsi connu, qui selon l'information, il a tombé parmi sept bandits qui sont tombés. Donc, l'individu ça a été spécialisé dans le déchoucage tech et vol à main armée. Et puis, ils ont rançonné la population. N'importe travail qu'on a fait dans ce domaine, il faut qu'on compte pour côté barrière pour tout le travail. Et puis, bon, selon l'information que nous avons recevoir tout au cours de semaines qui sont passées, l'individu Sahara a été renforcé par l'autre individu, l'autre suspect, l'autre bandit qui est sorti dans le département de l'Ouest, de l'autre côté. Et la police s'est fait au cours de semaines passées à plusieurs opérations. Avant d'être arrivé faire opération hier dimanche là, côté que était arrivé au cours d'échange de tir, il y a un 7 qui est tombé, j'aimerais sortir moi et arrêté deux naïo, plus une motocyclette que des jeunes en possession. Après un constat légal qui était réalisé par le juge de paix de Plaine du Nord, et bien, Corio a été remettre à la mairie et pour suite légale. N'avancer avec information concernant ça, qu'un sénateur républicain qui c'est Marco Rubio ak démocrate État Georgia qui c'est Raphaël Wadnog qui mandé secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour le bail priorité ak GFOR pour stabiliser Haïti. Deux parlementaires écrit chef diplomatie américaine non monsieur Blinken sous situation violence gang armée a fait en Haïti et encouragé la pour le bail priorité et fort pour aider stabiliser situation qui était à Paboïcite. Deux parlementaires écrits et n'ont cité nous représenter plusieurs familles haïtiennes, américaines, capables de travailler très dur dans la communauté et qui très inquiet pour instabilité politique là et augmentation violence gang yo dans pays a qui c'est pays origine non des parlementaires américains yo continuer pour dire en pile nan nou constituant yo gen famille yo gen un business en Haïti et yo pas capable voyager à cause zak violence yo et spécialement augmentation zak kidnapping yo business américain qui a opéré businessman américain qui a opéré en Haïti parler de situation ça qui si grave que yo même a pas pensé pour yo retirer le business en Haïti pour altablier l'autre côté. Si pas gen rien qui fait, gen un pile business américain ak business international et organisation humanitaire kap gen pour quitter Haïti par bande et par paquet. Et situation économique là qui était déjà très grave a vin pi mal. Sénateur républicain Marco Rubio ak démocrate Raphaël Wadnok nan let sa yo voye bay secrétaire d'État Anthony Blinken cité aux organisations kap def Fandroa Mounio qui rapporté gen entre 5 et 6 moun qui yo même là qui victime chaque jour dans pays pour premier 3 mois l'année 2022 yo enregistré 225 cas kidnapping dans mois février représentant ONU dans Binu et les Lalime te fait connait violence moun qui a fait que thématisa national numéro 2 a connait un mauvais journée mauvais journée côté eh bien monsieur yo Atea qui contrôle Matisse puisque c'est eux qui fait circulation de l'autre bois c'est eux qui établit quartier général de l'autre bois la police by l'autre bois va net eh bien yo fait ça yo qu'on habitait fait sur Matisse mais gang Matisse en entrée sud capitale là yo opéré à lundi sur national numéro 2 pendant temps ça directeur général à la police France LB nan rencontre que dégâts la presse à hier lundi li a baille li yon bilan satisfait on contentement satisfaction pour 6 premiers mois que le passé dans la police nan en pile coup de balle que moun te capable tendre hier nan niveau Matisse pendant mitan journée an plusieurs passagers qui yo même blessé pile nan blessé et a prend soin dans l'hôpital Dikini dans Kafou côté que c'est là tu prends soin en pile moun qui te gan pile qui chol sou yo monsieur Saut Matisan yo rati brasé yo prend tout sa moun yo te gen sou yo et encore y a mandé secours avec autorité concernée yo ça veut dire situation hein, li retourner dans Matisan c'est vrai gan pile moun qui pas passé Matisan yo passé pas en l'air mais parce que senti en bas font ti calme posé. Il y a le temps de passer, Jean Mounio dit,
ouvrier vendre outil mais pas vendre métier. Vous comprenez ça me dit là? Ben monsieur yo là, yo présent et là vous voulez décider frapper parce que yo dit tête yo la police pas présent, sous-commissariat fermé pour question de sécurité, ça veut dire la police pas présent là-dedans et nous toute histoire déjà. Nous toute histoire déjà. Mais à titre de rappel, faut me dire ça la police gain ça dans mission. Et tout police est captain de là et comme ça. Même recommandement qu'on elle. Mission c'est protéger avec ses vies. C'est protéger avec ses vies. Il n'y a pas gagné pour battre bas, pour faire bac, pour laisser aller bye bye bandit. Ça veut dire, faut recommandement, li fait travail pour que la paix capable de reprendre dans Matissa. Et nous allons tout à l'heure avec ensemble déclaration de DGA et la police à France LB qui parlait sous ça, qui encore, même avec PM Ariel Henry, qui a fait promesse. Est-ce que c'est bon promesse? Est-ce que c'est contre quel an? Nous allons tout à l'heure avec France LB. Mais en attendant, la situation est compliquée encore toujours. Non, Matisse, on a toujours été sous dossier sécurité avant nous venir avec bilan directeur général PNH là nous prêler à reportage ici là employé direction générale pour organiser un mouvement protestation à lui dire côté bloqué zone Kafoutifou boule caoutchouc à cause nèg exam kidnapper un cadre dans boîte là employé menacé occuper la gare jusqu'à ce que joigne libération collègue yo Alex Gauthier a présenté nos reportages. Phénomène insécurité à kidnapping nan continue à faire parler de li nan société a. Journée lundi a, divers employés direction générale impo levé campé pour protester contre zak kidnapping qui fait sous Gué Bernard yon cadre nan DGI qui victime dimanche 8 mai a. Protestateurs yo qui étaient en colère croisé plusieurs bis nan la ria zone Kafoutifou boule caoutchouc pour exprimer frustration yo nan espace de à 3 semaines yo victime pendant 2 fois nèg exam assassiné yon employé semaine passée a dimanche 8 mai a kidnappé levé Gué Bernard ça passé y a dimanche ça passé problème c'est l'église au près devant la calle Petionville semaine dernière ça a gagné environ 2 à 3 semaines depuis yo assassiné yon cadre nou gen nan DGC boye léger monsieur c'est un cadre nan DGC. Mais pendant monsieur nan mog monsieur pou même enterré hier soir yo kidnappé un deuxième directeur yon cadre encore qui c'est directeur adjoint direction des opérations qui c'est monsieur Gué Bernard yo kidnappé monsieur nous dit que c'en est assez nous frappé pied nous. Employé ont mandé l'État haïtien pour prendre bon jeune disposition pour permettre victime nan jouer une libération. Pour l'État dégager, mettre tout poil en balançant, pour le dégager en volontaire pour Bernard Gué retourner dans le temps de jeune. Ils ont tout profité, critiquer le gouvernement en place là, qui pas jamais prend aucun mesure pour résoudre problème et sécurité à notre pays. Le vécu de ce matin là, nous fait dans plusieurs phases. Nous voyons que chaque sac fait dans le pays, le gouvernement pas jamais dit rien. Hein? Nous voyons, par exemple, la plaine a crasé, mon a couru. Qui était caillou. Il y a des déplacés, gouvernement pas jamais dit rien. Matisse en plus qu'un an depuis Matisse en bloqué. Plusieurs départements dans le sud bloqué. Gouvernement pas jamais dit rien. On va pas prendre rien vrai. C'est sous pouvoir ministère plus kidnapping, plus vol, plus corruption, corruption vient pire. Je veux dire dire il y a des problèmes, c'était corruption, corruption. Mais c'est pendant Ariel Henry lui-même, il résume tout net. Ariel Henry seulement c'est corrupteur oui. À côté problème insécurité a, employé yo a fait face à l'autre qualité problème. Dans ce sens, ils ont encouragé PM Ariel Henry pour venir chita parler avec eux pour permettre boîte là recommencer fonctionner comme ça doit. Nous pas reprendre travail jusqu'à ce que premier ministre qui c'est monsieur Ariel Henry vienne chita avec nous avec le ministre et financier qui c'est monsieur Boisvert pour venir chita avec nous pour nous capable parce qu'il y a 4 questions pour nous poser premier ministre. N'a signalé phénomène kidnapping là te connaît en baisse. Mais semblait lui recommencer avec force. Pendant yon libéré Kegren, bandi yon toujours kembe docteur Benetti Augustin, yon te kidnappé 5 mai. Sans compter deux cadres dans la secrétaire d'État, moun handicapé yon, qui toujours en bas mes ravisse yon. Pendant tout ça, organisation Petits Frères et Sœurs annoncé yon fermé porte yon jusqu'à ce que yon joue une libération docteur. Alex Gauthier, Radio Mega. Voilà, merci en pile Alex Gauthier. Effectivement, j'en dis à la gagne organisation de Fondation Saint-Luc qui émettait avis à deux là pour dire que depuis la date qui était 8 mai 2022 à qui donc dimanche, on a parlé de mettre avis organisation notre petit frère et sœur
yo et puis Fondation Saint-Luc y a fait toute population connaît que mais la presse en particulier mais yo décidé fermer et porte yo camper toute activité dans l'hôpital Saint-Damien et Saint-Luc à partir hier lundi 9 mai 2022 jusqu'à nouvel ordre suite avec Zach kidnapping qui fait sous madame Benetti Augustin médecin pédiatre responsable clinique externe et clinique épilepsie de dans l'hôpital Saint-Damien côté bandit et kidnappé le date qui était jeudi 5 mai 2022 et yo séquestré qu'est-ce qu'il lit jusqu'à journée jeudi à là jusqu'à matin si capable dit mais li poko jamais joindre libération là mais sans par rapport avec la situation ça me fait qu'on est si que mais docteur Benetti Augustin lui-même li pas joindre libération là mais yo pas ouvert porte yo y a prêté fermé nous capable imaginer l'hôpital Saint-Luc et puis nos petits frères et sœurs qui quantité patients yo recevoir chaque jour combien quantité moun y a bay soin et une décision qui déjà gagne en pile impact sur patients sur monde qui compte fréquenter mais l'hôpital petits frères et sœurs mais décision ça li est venu pour capable expliquer pour capable demander avec autorité concernée prend toute disposition pour permettre avec docteur Benetti Augustin pour le joindre libération comme ça doit c'est révérend Fréchette Richard, qui c'est fondateur et président Fondation Saint-Luc, nos petits frères et sœurs qui signent en bas à Visa, en bas notre ça que vous faites qu'on est là, vous faites mes portes jusqu'à ce que vous jouez une libération, docteur pédiatre Benetti Augustin, que bandit kidnappé n'a pas quitté 5 mai passé. N'a toujours été sous question insécurité ou bien kidnapping, gain compagnie, métro SA. Qui sans nouvelle otage personne monde pour contacter nous pour demander nous rançon concernant détournement bus compagnie transport groupe métro SA ça c'est déclaration responsable juridique compagnie Hector d'hôtel qui bail information ça ak quotidien Dominicain Diario Libre qui confirmé gen 12 moun qui était dans bus si là parmi yo 10 passagers ak deux employés c'est deux chauffeurs dominicains ak hôtesse yon hôtesse haïtienne d'après représentant société pendant passager alors que passager yo parmi passager yo gen 8 missionnaires tuk ak deux passagers haïtiens d'expliquer tout parmi passager yo pas de gen mineur ça était pas de petit monde là-dedans et seul monde qui était là seule femme qui était là c'était hôtesse là représentant métro indiqué toi avec journal là compagnie gain un itinéraire fixe qui sorti République Dominicaine venir en Haïti ou bien sorti en Haïti pour aller dans République Dominicaine itinéraire ça que nous fixer chaque jour sorti nan matin nous sorti nan matin et pour rentrer nan après-midi cependant d'hôtel indiqué à cause situation qui génère après et détournement bus là hier lundi en compagnie pas de bail service sur route pour venir dans pays d'Haïti rapport préliminaire indiqué bus s'est détourné dans zone Croix des Bouquets dimanche 8 mai n'a pas rappelé mercredi 4 mai dernier attaché commercial dominicain Carlos Guillen Tatis qui était kidnappé 4 jours avant ça dans un quartier Croix des Bouquets et jeune libération. Toujours même dossier ça, Jean Dédiltal a venu avec une série de déclarations DGA et la police France LB, lui-même hier, qui rencontrait et avec la presse qui parlait sur divers dossiers. Directeur général PNH, qui c'est France LB, présenté bien l'activité, les réaliser pendant 6 premiers mois, les gars en tête la police. Non. Pendant 6 mois, ça, yo, DGA, dit les réaliser diverses rencontres avec visite dans le commissariat, yo, pour sensibiliser les policiers, yo, 4998 arrestation qui fait 25 kg cocaïne, 234 âmes saisies, 78 000 $ américains, 34 millions goudes saisies tout, 94 bandits mourir dans Bokote Kobal avec la police. D'après DGA et la police, qui c'est France LB qui prend engagement, selon ça, dit devant la presse, pour continuer lutter contre le phénomène banditisme en d'un pays et d'Haïti. En côté directeur général pour un petit bout de la police, qui c'est France LB, dans mes collaborateurs, nous, José Bellamour. Moi, je recommande la police à 21 octobre 2021. Là, au moment qui est extrêmement difficile. Côté que situation politique pays a été agitée. Côté que la police, là, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un problème. Policiers démoralisés. C'est une cassure entre recommandement et base de la police, là. Qui vient de nous création de syndicats.
qui vient devant nous et devant le mouvement 609. C'était un moment extrêmement difficile. Nous avons pris la responsabilité, nous. Et rapidement, il y a des mesures que nous avons prises. Premièrement, nous monter au nouveau commandement. Et à partir de là, gagner un ensemble de rencontres que nous faisons, une rencontre de visite que nous faisons à travers direction départementale, commissariat, les unités spécialisées. Donc c'était un pèlerinage. Un pèlerinage pour que nous allions parler avec les policiers, sensibiliser sur le moment, sur les difficultés que le pays a traversé. Et reconnaître que la frustration est légitime. Mais comme nous avons une situation spéciale, nous demandons aux policiers pour faire un dépassement de soi. Mettez de côté la frustration que nous avons, mais en nous faisant seul, dans la police là, pour nous mettre contre bandits et changer trajectoire, situation et sécurité pays à traverser. Rapidement, les policiers répondent. Ils ne répondent pas seulement répondre dans la bouche, mais ils répondent à travers les actes qu'ils ont fait dans la rue, les gens ont engagé dans la rue. Et grâce à la mobilisation, ça, grâce à la motivation au niveau base de la police, là, grâce à l'unité qui gagne en dans le commandement, grâce à l'unité qui gagne en dans la police, là, côté base de la police, ça fait un seul avec le commandement pour nous gommer contre la sécurité. Ça permet que il y a un ensemble d'opérations que la police réalisait à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Et ça permet que nous ayons des résultats concrets. Côté que 4998 arrestations faites pour plusieurs causes. Kidnapping, assassinat, drogue, détention d'armes illégales et la trier. Nous arrivons à saisir un bateau dans le cadre de lutte contre drogue. 25 kilos de cocaïne nous saisis. 658 kilos de marijuana. Nous saisis pendant 6 mois, 234 armes à feu. C'est des armes que nous saisis au cours d'opérations que nous déclenchons. Malheureusement, au cours d'opérations, il y a 94 bandits qui sont blessés mortellement dans quatre échanges avec la police. Il y a 21 véhicules que nous récupérons, avec plusieurs motos que nous récupérons ou du moins confisqués. Nous saisis 78 520 dollars américains. Nous saisis 34 220 575 gouttes. Et ensemble d'opérations, ça va être réalisé. Permettre que dans le mois d'avril, là, nous gagnons une baisse considérable dans le cas de kidnapping dans le pays, spécialement dans la zone métropolitaine. Il y a des progrès faits. Ville de professionnels sous contrôle. Zone métropolitaine, nous avons chaque jour contre bandits. Et nous prenons responsabilité nous, pour nous continuer de ça. Voilà, au top côté intervention, Franz Elbe, qui s'est directeur général à IPNHA, qui t'a présenté bilan travail réalisé pendant 6 mois dans la tête PNHA. N'a toujours été avec DG à IPNHA, puisque le parlait sur divers dossiers, tant que dossier la pleine, ben qui était réagi sur dossier affrontement base 400 Maozo à Chemichan. Il fait connaître la police prend contrôle zone pleine. La police mène plusieurs opérations qui conduisent à 54 arrestations, 16 armes saisies, plusieurs bandits mourus, 3 policiers blessés. Franz Elbe prend engagement pour améliorer les conditions de travail policiers pour être capable de gommer contre Zak et Bandio. Dans le pays, écoutez, Franz Elbe est toujours dans le micro. José Belamour. 24 avril, deux groupes gangs à affronter. Rapidement, la police déployée et prend contrôle de zone. Échange de tirs fait, 54 arrestations faites, 16 armes saisies et plusieurs bandits malheureusement qui blessés mortellement. Nous confisquons 7 véhicules avec plusieurs motos. Nous gagnons 3 policiers qui sont blessés. C'est des blessés qui sont pas graves. Nous commençons ce travail pour que nous améliorions les conditions de travail. C'est ça qui fait que il y a 19 lieux de police qui sont réhabilités dans la période que nous avons là. Nous gagnons 3 qui sont réhabilités dans le Grand-Est, 13 réhabilités dans l'Ouest, 2 unités spécialisées, Boy avec Simon, et puis nous gagnons une qui fait dans le Nord. Toujours dans le cadre pour nous améliorer les conditions de travail policiers. Nous démontons une commission qui pour réfléchir à une proposition au gouvernement concernant l'indemnisation des policiers blessés, victimes au cours de l'opération, ou du moins ayant droit de policiers qui mourent au cours d'opération en cas de service. Nous constatons que les policiers aux victimes sont à la merci d'un bon papa directeur général, un bon papa ministre des Finances, un bon papa autorité politique. Donc c'est ça qui fait que la commission a été montée et fait de réflexion pour que nous ayons un cadre légal qui fixait responsabilité l'État par rapport à sacrifice et engagement policier à prendre dans la rue. Proposition en fait, travail là, nous remettre proposition à gouvernement. Nous comme policiers, nous allons garantir aujourd'hui que la police n'a pas la solde d'aucun groupe politique ni aucun secteur de la population. Nous allons garantir policiers, équipement matériel que vous avez à la disposition,
il a prêté uniquement au service population. Nous, l'autre fois, nous avons pris un engagement formel pour nous mettre contre le grand banditisme avec dernière rigueur, pendant que nous avons respecté le droit de tout le monde. La police a nous mettre contre toute qualité bandit, sans distinction. Sans pas besoin qu'on ait dans quel secteur bandit ça a eu. Tout le monde qui a communiqué chaque jour avec bandit, c'est bandit. Tout le monde qui a payé l'argent, armes, munitions avec bandit, c'est bandit. Le monde qui voulait que vous respectez, d'abord respectez tête. Pas de dire, nous pas de connaître. Pour question, ça a passé dans plein temps, la police prend ça en main rapidement pour éviter que la situation dégénère. Nous avons rassuré la population la pleine temps. Que nous avons renforcé le dispositif de sécurité à chaque jour. Et chaque jour, nous avons beaucoup plus menaçant envers gang en pleine. Il faut l'ordre rétabli, l'ordre commencer à rétablir et il faut nous continuer jusqu'à ce que nous prenions contrôle total pleinement et résonne en notre pays. Nous avons toujours été avec le directeur général à la police, qui c'est Franz LB, qui baille la population garantie dans un petit temps tout coûte. Et après, résoudre un problème matissant avec diverses autres zones, comme Cité Soleil, La Saline, région métropolitaine, pour citoyens capables de mener activité comme ça doit. DGA, qui c'est Franz LB, qui m'a dit, citoyens, mettez confiance dans la police, a annoncé au commandement PNH, prend diverses mesures pour nettoyer institutions à côté, yo mettez d'eau, 1187 policiers d'ailleurs pour diverses raisons tant coup abandon. En écoutant Franz LB dans dernière intervention ici là. Matissan, nous connaissons que c'est un quartier. C'est porte d'entrée plus que 4 départements. Et on grande partie dans le département l'ouest là. Situation ça a influencé toute activité dans la zone du sud là. Libre circulation, business influencé. C'est une situation qui préoccupait gouvernement, population, la police en général. On connaît que population à bout, li pa katan. Et impatience, ça a li justifié. Nous comprenons. Nous tout simplement demandons à la population. Quoi dans la police? Nous demandons un petit temps tout coûte. Nous connaissons nos impatients. Mais nous demandons un petit délai tout coûte pour que la situation remédie. Parce que la police là a travaillé avec le gouvernement sous question spéciale ça. Nous croyons pas longtemps la situation ça a résoudre. La mesure que nous prenons. Pendant que la police l'a gommé contre bandit dans la rue, parallèlement à l'interne institution, il y a des mesures que nous prenons pour assainir l'institution. Nous mettons sous pied aux conditions qui pour permettre que nous évaluions les ressources personnelles. Grâce à la commission ça, grâce à un rapport que la commission ça produit, nous retournons dans le ministère de la Finance 5622 chèques qui totalisaient 108 998 183 gouttes. Rapport ça permet que nous retournions 1313 cartes de débit BNC qui totalisait 158 310 000 gouttes qui fait un total de 267 308 183 gouttes. Mesure ça permet à l'institution rapidement prendre engagement pour augmenter rapidement prime de risque pour policiers dans l'unité spécialisée et brigade d'intervention à travers le pays. Grâce à la commission, ça, rapport commission ça, nous avons renvoyé 1187 policiers et employés administratifs. Donc, 1013 policiers et 174 employés administratifs. Pour cause abandon, avec l'autre cause. Nous avons gagné un ensemble d'incidents qui étaient arrivés dans une série de zones. Cité Soleil, c'est Youn Ladan. Côté que lieu de police était saccagé, pillé. Mais la police n'a pas arrêté de boire croisé. Nous avons travaillé de façon à ce que, pour que les zones côté population pas qu'à vivre normalement pour que nous intervenions. Réoccuper commissariat et sous-commissariat pour que nous cabaye population service. Et voilà, déclaration DGA et la police qui c'est Franz LB qui m'a dit population. Ballon si t'as tout coûte pour que les capables agir sur question Matissan. Et n'a pas rappelé tout, et DGA, et c'était une véritable mission, l'ELTAP, la police, non? L'ELTAP installé, c'était mission, ça, une plus grosse mission, elle était gagnée, c'est solutionner problématisant. Mais Kounia, 6 mois déjà, lui a demandé population à Balantit en tout coûte. Bon, tout coûte ça, est-ce que c'est dans une semaine, dans 2 semaines, au mois? C'est déjà qu'on avait toute équipe liée. Et n'a pas changé toute situation, Matissan, c'était une raison, tout qui fait un pile acteur, t'es couru derrière Léon Charles. Changez ça, en CDG la police, ça veut dire, tellement la situation était compliquée, ça c'était une raison qui t'a fait que comme ça, puis on dit, bon, on ne sait pas qu'il y a un résultat, et sous ça, la guépio.
Bon, et Fancy LB, il était venu et l'Elta Mounsa, c'était un gros en 10 phrases contenu dans le discours installation. En tout cas, 6 mois déjà, rien pour que j'en fait, les manants titres tout coûte. Et jusqu'à présent, troisième nan, il était monsieur tête frette en bas. Vous tendez le talé, monsieur. Pendant le tabac conférencier, et puis Matissan. Voilà, pendant le tabac conférencier, la baie satisfait pendant 6 mois. Et puis, mon apprend bal Matissan, on comprend, mon apprend bal Matissan, et n'est-ce pas déchappé, moun, et puis déjà, pas bilan, satisfait, li content, pendant 6 mois qu'il est dans la police, on comprend déjà. 400 maozo, toujours tabli basila dans quoi des bouquets, on comprend, moun pas qu'à traverser la tremblée, toujours même situation. Et monsieur Genève, en bas, belle, babelle, la saline, même situation. En l'air, la vitelle, l'homme dans le pénis, et puis, ça veut dire, en tout cas, déjà, et en plus, moun souhaité que nous pas qu'à arrêter dans promesse toujours, hein, et m'a dit, il faut bien mauvais promesse, mais c'est agir pour agir, comme on dit dans Titan tout coûte, on y a un Titan non tout coûte. Bon, oui, c'est qu'après, il y a les mêmes, je dis, ben, il y a même pas arrêté mon encore, même, arrêté mon encore, même, on est obligé de quitter la caillou. En tout cas, c'est ça, DG à Babylon satisfait, et puis situation Matissan, et Negio a fouillé mon. N'avancez toujours question sécurité.